Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une application pour récupérer les messages qu'on a effacés. Genre, tu as effacé une photo d'une belle fille que tu as rencontrée hier, ou de la cam que tu as cachée, ou de tes ventes de cannabis. Haram alaikum, et je rigole, je vous fais marcher. L'autre, il croit que j'ai. Non, c'est juste si jamais. T'as effacé une photo que tu voudrais récupérer ou un message important ou un numéro de téléphone, on sait jamais. Et ben, alhamdoulilah, avec cette application, tu vas pouvoir la récupérer tout simplement. C'est parti. L'application, c'est WhatRemove. Plus, voilà. Donc, on accepte. On met oui. On met oui. Autorisé. On revient en arrière. Voilà, donc moi je vais cocher voilà, même pas Facebook Live, voilà, prochain, on met oui, sauvegarder les fichiers, voilà, autoriser, voilà. Là, on n'a rien du tout. Nos prochains messages, ils seront enregistrés directement sur cette application. Ça veut dire que nous, on va les effacer, mais sur cette application, non, ils ne seront pas effacés. Ils seront encore présents. Et après, c'est à nous de les effacer manuellement. Là, on a des notifications. Donc, on y va. On va voir si ça enregistre bien. Et voilà. Il y en a un qui a été détecté. C'est celui-là. Voilà. Ça a été détecté. Donc il est dans Telegram. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Dans l'historique. Maintenant on peut effacer. Mais oui. Ça y est. Sinon on peut l'effacer aussi. Voilà. Même Instagram, il y a l'historique. On n'a plus qu'à effacer. Voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère que ce sera utile pour vous, Inch'Allah. Ne faites pas de bêtises avec cette application, évidemment. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.